Hello! N'oublie pas que tu peux t'abonner et bien entendu cliquer sur la cloche pour ne rater aucune des notifications. Si jamais tu souhaites me soutenir, tu peux aller sur Utip, ça m'aide énormément, il suffit de regarder une petite publicité. Bon visionnage! Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Dark Even et bienvenue pour un live sur Moduction, épisode 18. Ça va être donc forcément la finalisation de notre formidable petite maison. On va être en compagnie également de Tommy. Bonsoir. De Tatlantica. Salut. Salut, ça va les copains? Ça va et toi? Oh le mec, t'as crash? Ah. Comment ça? Ouais, il a essayé de mettre des champs de force partout, voilà, il a craché. Il nous a laissé un champ de force, on pourra pas finir notre maison. Voilà, merci Clem. Donc on en a farmé pas mal, merci Tommy d'ailleurs, parce que c'est lui qui en a farmé beaucoup pendant que... Mais de rien, ce moment-là. Et sans souci. Du coup c'est cool parce qu'ils nous ont manqué énormément, et qu'est-ce que c'est chiant de farmer de la concrete. The concrete of the farm. La concrete. C'est very, very, very chiant. Et c'est very difficult. Very difficult. Bon, As pourra pas venir, on est samedi, son bar il est en pleine action là, hein. Et là voilà, les gens se bourrent la gueule, il a trop de clients, il fait trop de pognon. Là on pourrait pas voir Azenching, hein, clairement. Merde, c'est pas le bon. Là on va finir le sol, ça me perturbait tellement, j'étais tellement content de pouvoir finir le sol. C'est moche. Quand il y a avec tout l'herbe là comme ça. Ah oui, oui. Merde. Ouais. Non, l'herbe, merde. Comment ça c'est moche? On n'a pas commencé, Tommy. Commence pas à dénigrer notre travail. Ça va pas, c'est le talisman là. Hop. C'est tout de suite plus simple avec le bâton, c'est surtout plus rapide que simple, j'ai envie de dire on l'aurait fait, mais juste que vous auriez attendu beaucoup plus longtemps, donc c'est vrai que ça rapporte une certaine facilité, hein. Jamy, oui. Hein, hein, bah évidemment, Jamy. Alors on a mis un peu de temps, on est un peu en retard pour Moduction, mais bon, j'attendais peut-être que Tommy soit dispo avec moi pour qu'on puisse le faire à deux, parce que comme on l'a commencé à deux, c'était plutôt cool. Je voulais qu'on se le fasse à deux, je trouve ça plus rigolo de faire un peu de build à deux, ça permet de mélanger quelques idées. C'est toujours mieux. Ouais, c'est plus sympa, sinon on est tout seul, là on peut parler de la vie, du beau temps. On peut discuter, on peut rigoler. Voilà, on rigole, on s'amuse. Voilà, bon, c'est qu'en fait c'est vrai qu'à la fin de la vidéo, j'avais fait plein de tests de portes, c'était vraiment la fin du live, où je montrais des trucs, toutes les portes disponibles en fait, donc j'en ai crafté plein pour Clem, pour qu'il puisse s'amuser. Donc Clem s'est amusé avec un champ de force. Et Clem a craché. Ça, c'est une chose qui arrive. Alors, pour l'instant, l'intérieur, on verra plus tard. Maintenant, on va commencer un peu à voir au niveau of the structure of the bâtiment. Voilà, moi, je verrais trois rectangles ici. Trois rectangles, mais de ce sens-là. C'est-à-dire que la longueur serait dans la largeur du truc. Dans la largeur, voilà. Bah, c'est ce que je pensais, mais je savais pas comment le faire. Voilà, c'est-à-dire que moi, je partirais comme ça. On est en totale improvisation, bien entendu, avec notre expérience de builder incroyable, professionnel, bien entendu, attention. C'est réalisé par des gens de haute expérience. Haute expérience. Ah oui, alors haute expérience, des dizaines et des centaines d'années de buildage. Donc avec peut-être deux d'espace. Bien vu une avancée quand même. Genre qui sort de la maison, tu vois. Genre qui va un peu plus loin. Tu voudrais qu'il sorte de la maison. Ah ouais, carrément. Je suis carrément chaud, mec. Ça sort plus loin et on mettra genre une grande baie vitrée. On le fait sortir ici. Ouais. Ouais, carrément. Limite. Ouais, genre on fait sortir de. Ouais, grave. Comme ça encore, ouais, tu vois. Ouais, carrément, ouais. Comme ça, tu vois, on aura vraiment une dissolution des blocs. Ouais, carrément, ouais. Bienvenue chez les professionnels, bienvenue sur DE Cube, l'émission... Ah non. Du talent. Ah non, plagiat, en fait. Ah bah zut. Bah tant pis, alors. Et salut, Bob. Là, il y a ça. Là, tu fais l'intro. Je suis en compagnie de Bob. Salut, Bob. Bonsoir. Je suis Dark Shadow. Mais c'est pas toi qui décide. C'est totalement parti en couille. Ta gueule. Oh mon dieu. Alors, tac. Ouais. Avancez. Voilà. Non, oui, c'est très belle idée. J'aime bien le fait de sortir un petit peu justement pour qu'on ait le petit côté. Voilà. Et ça fera des carrés, etc. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Là, on a fait notre avancée. Genre que ici, donc après, genre ici, tu vois, là c'est le sol. Ouais, d'accord, donc tu veux rehausser le truc. Ouais, je pense, ouais. Ouais, parce que pour la déco, c'est vrai que du coup, c'est ça. Parce que sinon, ça va ressortir, ça va être moche. Ça va être trop moche. Donc moi, je pense forcément, nous, on veut que ce soit comme ça, en fait, en vrai. On est d'accord. Oui, voilà, c'est ça, on est d'accord. Ouais. Bon, là, je vais faire comme ça, parce que visuellement parlant, en dessous, il faut pas que ce soit. Faut que ce soit clean, quoi. Voilà. Fais ces bâtiments-là. Je pense que comme ça.
Vous savez que c'est inédit pour moi là ce que je suis en train de faire quand même avec Tommy, parce que là on regarde pas vraiment de tuto, hein, on y va. Ah non, là on est. C'est on l'instinct, mais je fais mon challenge, hein, c'est mon vrai challenge de build. En vrai, j'en ai jamais fait quoi. Parce que à chaque fois, soit je prenais un exemple, soit je trichais, je prenais. Une fois, je me rappelle dans FFF, j'avais pris chez Batika pour build ma maison. J'avais pris un schéma de maison qui était cool, hein, mais c'est vrai que j'avais pas fait. Là, c'est sympa, c'est sympa. Maintenant que nous avons problème réglé. Qu'on a problème se régler. Voilà, problème se régler. Eh bien, allez, le look est sympa. Ouais, il est pas mal. Hein. C'est sympa. On pourra même rajouter une ligne ici pour continuer le délire de la ligne. Donc ici, par contre, ça va pas faire très grand. Et tu vois, je ferai un couloir qui communiquerait quand même avec. On est d'accord. Ok. Avec le reste. D'accord. Ok. Plus vite. Oui, pardon, excusez-moi, maître. Plus vite. Oui, mon maître. Parce que tu vois, regarde là. Là, tu te dis, là, il y a de la place, tu vois. On peut faire des choses dedans. Ah bah là, alors, là, on y fait bon vivre. Ouais, voilà. Niveau déco, oh, faudra qu'on voit ce qu'on fait. Mais là, une chose est sûre, il y a de la place. Là, c'est mieux. Il y a une idée, là, avec l'escalier. Ça peut être pas mal. Là, comme ça. Grand frère, est-ce que comme ça, c'est bien? Comment tu trouves? Tu vois, comme ça au moins ça fait un petit reliefant en plus, mais... Ouais. Bah, tu peux mettre aussi des escaliers en quartz sur les coins, par exemple. Ouais. Pour voir. Après, c'est pas obligé, hein, je sais pas. Attendez, les Allemands nous attaquent. Moi, j'ai fait un réacteur. Voilà, il faut voir les designs qu'on peut faire dessus. En fait, au lieu qu'il soit direct... Ouais. En fait, au lieu qu'il soit directement sur les blocs, tu vois, en fait, ils sont un cran derrière. Ah ouais, mais non. C'est toujours pas bien. Non, je suis pas fan du truc depuis la barre noire en dessous, non. Non. Juste une vitre comme ça. Et du coup, juste une vitre comme ça, ouais, pourquoi pas. Mais est-ce qu'on laisserait tout le contour blanc ou est-ce qu'on mettrait genre une grès concrète ou une... À voir, oui, on pourra peut-être modifier les couleurs aussi. Genre, voilà, comme ça. Ok, ouais. Ah, ouais, pourquoi pas, parce que ça ajoute plus de... Mais ça fait très futuriste, bunker, en fait. Le fait d'avoir une ligne, c'est chiant. Je suis pas convaincu. Ah, moi non plus. Bon, on part comme ça pour l'instant. Continuons comme ça pour l'instant. Voilà. Puis on va voir un peu ce qu'on peut faire. En fait, moi, je réfléchis vraiment à l'habillement comme ça, tu vois. Attends. Ok. Mais je vois. Je suis derrière toi. Et tu vois, limite, quitte à faire des vitres ici. Je sais pas ce que ça donne. À l'arrière, ouais. Je sais pas ce que ça donne, mais... Bah, juste, du coup, j'ai fait la même sur le côté droit, donc tu pourras regarder ce qu'il y a du côté gauche. Enfin, j'en ai fait une, mais... Ouais, mais ça, c'est pas mal, ça. Tu vois? À l'arrière, ouais, ça rompt. Ouais, les vitres à l'arrière, c'est pas mal, ouais. Ouais, j'aime bien. Donc ça, on garde. Je pense qu'on va faire ça. Sur les trois, déjà, ça, on garde. Au centre, on pourra peut-être changer un truc, tu vois, genre faire les triples. Et ici, peut-être une grande baie vitrée. Genre, ici, tu vois. Ah, là, ouais. Alors, pour le milieu, ouais, tu veux dire. Ouais, pour le milieu, genre... On pourrait rentrer un maximum de lumière. Ouais, genre, tu sais, pour... voilà, je sais pas. Je dis pas... Mais tu vois, genre, on aurait un truc comme ça. Ouais, c'est pas mal, ça. Bizarre quand même. Comment on fait l'éthylène en fait? L'éthylène. Attends, je regarde ma fiche. Je sais pas du tout comment on fait l'éthylène. Regarde ma fiche. Non, mais j'ai un gros schéma. Technique. Il vient de sortir un plan de chantier. Attendez, je suis sur le mode d'emploi. T'as entendu? Ah, c'est carrément ça. Allez, pour faire une petite barrière en plastique. J'ai entendu la feuille en plus. Ouais, non, mais c'est ça de toute façon. Bon, ça c'est bien. Ça me va. Alors ici. Vas-y, il faut qu'on fasse un truc ici. Mais un jardin, ouais, il va y avoir des choses, ouais, il va y avoir de la verdure. Justement, Tommy est en train d'enchanter les choses pour qu'on puisse récupérer en fait de l'herbe. Fortune, c'est quoi déjà? Fortune, c'est pour quand tu mines, tu récupères plus de trucs. Ouais, non, alors non. Mais je vois bien un truc, un jardin ou quelque chose, mais j'essaie de faire un dôme. Bah ouais, hein. Je vois bien aussi, j'imagine bien là. Ah, j'aime bien là. J'imagine bien, j'aime bien ça. Ouais, j'aime bien là, moi ça me... Ouais, oui. Ah bah, oh là là. Mais pourquoi mets-tu ce verre moche? Parce que je fais un test, c'est pas ce verre là que je vais mettre. C'est juste que je préfère sacrifier ça. Ah, Cherbourg, je connais, ouais. Je sais qu'il est moche, mais ça veut pas dire que c'est fini, je regarde. Je préfère utiliser ça, parce que les autres ça se pète et je veux pas gâcher du verre. Parce que les autres verres, tu vois, ça me fera chier si je le pète, quoi. Alors. Yo, d'ailleurs. Ah, ça y est! Ça. Donc voilà, là c'est les ME interface avec de l'autocrafting. Alors par contre, il va nous falloir du proco. Parce que actuellement, avec 1K crafting storage, laisse tomber. Hein.
Là, il tiendra. Ouais, mais les 64, ils se craftent super facilement. Là, là, enfin, après les disques durs que j'ai fait, là, tu peux après avoir mettre, crafté hein. un 16 millions. Là, tu peux en mettre, c'est cool. Et du coup, tu utilises seulement des M Glass Freaks, ok. Bah, en fait, ils ont une capacité de 8 chan. Du coup, il y en a 8 dans la longueur. Ouais, ouais, je sais. Mais ouais. Tu peux pas en mettre plus. Ouais, bah, c'est déjà bien. Hein. Pour le début, là, déjà, pour auto-crafter les choses, là, c'est cool. Et Ah. Oui, tu sens que ça va pas partir. Ah oui, oh putain. Ah l'enculé. Calme-toi. Tu sais faire une sphère, toi, ou pas? Ouais, comme toi, quoi. World Edit. Ouais, non, mais sur World Edit, je maîtrise. Mais alors, quand il s'agit de... Mais ouais, à faire comme ça, c'est hyper dur. Bah ouais, mais je tente, mon gars. Je sais pas. Que... Mais je vois bien ouais. que ça fait pas faire les vraies sphères. Mais le problème, mais c'est si, que... Et si tu fais une demi? Mais une demi, mec. Ça ressemble... Oh, pour l'instant, une demi, tu t'en sors pas mal, là, en vrai. Bah, de toute façon, le but, c'est pas de faire une sphère. C'est de faire... Ah, et au pire, recouvrir comme ça, mais... Détruit. En fait, c'est quoi ton idée avec le dôme? Je sais pas, continuer un truc après. Et là, tu vois, je voyais bien mettre un jardin sous le dôme, faire quelque chose comme ça, une serre, tu vois. Mais du coup, pourquoi tu laisserais pas, genre... tu ferais pas une barrière de verre? Et après, genre, on ferait un jardin ouvert, sans le dôme. Mais non, je suis d'accord, mais c'était le challenge de faire... De faire le dôme? Je sais pas, bon, on m'a dit ouais, fais un dôme. Bon, voilà, comme ça ils l'auront vu, j'ai fait un dôme, voilà. Voilà, le dôme est fait. Voilà, il est fait, maintenant on le détruit. Maintenant on casse. Et maintenant on fait un jardin ciel ouvert. Mais il est con ou. Ouais, un peu. Non, mais je voulais voir ce que ça donnait, mais je suis pas. Pareil, je suis pas assez. T'es pas convaincu? Faut faire des tests. Moi je. Voilà, je suis pas un builder, je suis pas habitué donc. Et là, j'arrive ici et je me dis, bon, j'aimerais bien construire. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ouais, voilà, j'aimerais bien construire des trucs ici. Alors, est-ce qu'on fait une extension de ce truc ouais. ici? Ouais, voilà, c'est ça. Et on fait une extension, et je dirais moins, alors soit plus longue pour qu'elle dépasse aussi, ou moins longue, comme ça fera justement une terrasse pour aller au dôme. Et on le montrait exactement de la même taille? On pourrait le monter de la même taille, ouais, ou alors même un de plus. Un de plus? Je dirais un de plus, ouais. Ça fait vraiment l'aspect moderne, comme ça il n'y a rien qui a la même hauteur. Que genre si on fait un de haut en plus, comme ça tu vois, on pourrait faire un faux plafond. Avec mon micro, maintenant, je peux vous faire des trucs absolument insupportables. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Voilà, ça c'est ah, pour vous. Ah putain. Il était à côté de moi là. À quoi sert ce micro? À ça. À vous cacher les couilles en fait. Sinon, est-ce que le truc avec le dôme, tu veux le laisser ou alors, tu veux l'enlever? La terrasse, ça je trouve c'est une bonne idée. Pourquoi pas? Mais... De quoi? Le dôme? Ouais. Oh, le dôme, je sais pas. Ah. Comme ça c'est pas collé, tu vois, et ça fait comme un petit couloir. Et tu veux faire comme ça, genre... Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Comme ça, là, vu que c'est pas collé, prends un peu du recul. Ah, justement, attends, je le finis. Je pense que ça te choquera moins. Alors. Ouais. Ouais, ouais. Si jamais on trouve la terrasse peut-être trop grande, là, ici, à ce niveau... genre la couper en deux et genre c'est à dire que là ici on fermerait comme pour faire ouais. une pièce et donc du coup par exemple ici ça serait une pièce c'est vrai que et là ça serait la terrasse. Je verrais bien là une séparation. Ouais, pour l'instant ok, une terrasse. Alors du coup est-ce qu'on couvre là ou pas? Alors non, c'est pareil, couvrir ici, hein. Parce qu'en fait, je me demandais aussi, tiens, regarde, Tommy. Parce qu'en fait, je me posais la question, est-ce qu'on met des petits trucs comme ça pour qu'on puisse faire quand même un toit, tu vois, pour que les gens qu'on puisse se balader dessus et qu'on mette des trucs. Oui, comme ça fait un genre de toit-terrasse, ouais, carrément. Ouais, ok. Le bâtiment va s'appeler la Azendar Corp. Je sais pas trop comment on va l'appeler encore. Déjà c'est pas mal. On a fait des progrès, là, déjà, sur ce truc. Mm-hmm. J'ai un hoquet de la mort. Ouais, je l'ai entendu. Attends, je l'ai amorcé. Je t'en vois, hop, un amorti. Et en plus, je te vois la tête sur le live. Les pires têtes, ouais. Regarde. Je me prends les coups de carte. Fais pareil, putain. Je croyais que tu regardais ce que je faisais. What the hell. Ah, t'as ramené tous tes trucs et tu les transfères dedans. Ouais. Ah, oui. Ah, bah c'est pas du tout. Ils sont... tous en file d'attente, quoi. Oh la vache. Oh, mec, t'en as pour 15 ans. Non, ça va extrêmement vite, quand même. Ah bon? Mais t'as peut-être mieux que le flux, non?
D'ici 2-3 heures, il n'y a plus rien là-dedans. Parce que là, je vais revenir en bas de la maison. Ah, mais c'est bien, t'as mis des co-processing units, là, ça y est. Alors ça, on n'en a pas parlé encore des co-processing units. Bon, j'en parlerai dans un prochain épisode, je pense. Mais bon, c'est en fait la co-processing unit comparé aux autres. Ah, bah, t'as augmenté aussi le crafting storage. Co-processing unit qui permet donc de faire des crafts en même temps, en fait. Pour avoir plusieurs crafts en même temps, sans avoir... J'ai changé le composant, en fait. Ouais, j'ai vu, ouais. Bah, c'est cool. C'est quoi que vous voulez exactement? On veut de l'herbe. Juste on veut un bloc d'herbe. On veut de l'herbe, frère. Mais après je me... Non, ouais. on veut du silk touch, en fait, pour pouvoir récupérer de l'herbe. Ah bah, tu peux nous en miner avec le digital... Bah oui. Bah voilà. Tiens, on est trop con. Mais oui. Bah oui. Moi, je vous laissais chercher, hein. Parce que nous, en fait, faut qu'on design un peu les murs et tout. Qu'on voit un peu... J'adore. Ah, parce que là, c'est important. Voir un petit peu quel motif on fait, parce que est-ce qu'on fait que des trucs vitrés ou est-ce que on commence à faire des trucs style... Oh, regarde, attends, j'ai des idées. J'ai des idées, mec. Tu vas me dire si tu me suis ou pas. Ouais. Attends, je t'ai dit. Ne dis rien, attends. Attends. Alors, peut-être plutôt ici. Je vais te montrer... Rapidement, un moment tu vas faire un en bleu, rouge, noir, tu vois. Ah oui. Tu vois. Et genre faire des formes variées comme ça, ici, tu vois. Voilà, bon, j'ai que ça sous la main, donc j'utilise ça. Voilà, bon, après on couvrirait un peu. Genre, je sais pas, faudra prendre des couleurs, là j'ai pas de... J'ai pas grand chose, donc on va faire avec ce qu'on a. Et genre voilà. Ouais, c'est un exemple, hein. Et du coup, ça donnerait... Qu'est-ce que t'en penses? Ça pourrait bien donner, en... Ouais. Vraiment. C'est pas mal, hein? Ouais, j'aime bien, ouais. L'idée peut être cool. Franchement, l'idée on a... L'idée peut être bien, ouais. Voilà, j'ai votre grâce. Ah, merci. Mais je suis pas grasse. Ah, si, quand même. Ah. Je t'ai laissé aller ces derniers jours. Pourtant, je fais des efforts. Et monsieur, il prend double dessert. Ce soir, c'est flamby. Moi, écoute, les temps sont durs. Hein. Truc, mais pour l'instant, je vais faire une déco comme au lieu ça. De mettre des fonds là, on peut pas mettre des vitres de couleur? Non. Non. Bon, ok, on essaie avec des vitres, mais en mode Tetris. On fait du Tetris, mec. Que des formes de Tetris. Alors, okay, on le fait avec des vitres. Ok, chaud. Mais faut des vitres de couleur. Hein. Oui, bah vas-y, fais les couleurs. Moi, je fais les vitres. Enfin, je fais le. Attends. J'ai pépé des idées de Darky Davido. Eh, pour une fois que je propose des trucs. D'habitude, je vous fais non, pas de maison, je suis nul alors je fais pas de maison. Ah là, ça y est, je suis parti là, ça y est. C'est peut-être pour ça que je dis qu'il faut pas me faire faire des maisons parce qu'après. On l'arrête plus. Ça devient un cauchemar. En vrai. Non, c'est dégueulasse. En vrai, t'en penses quoi, Tommy? Bah. Ah, de ce que tu fais? Oui. Je pensais que t'avais mis les vitres. Bah, oui, pourquoi pas. FDP. J'avoue que j'étais pas convaincant du tout. Bah, oui, pourquoi pas. Maintenant que t'as fait ton idée de merde, bah on va la faire. J'avoue que le ton était comme ça. Ouais, sympa, ouais. Allez, ouais. On va ranger ta chambre. Va plutôt te suicider. Non, alors attends. Clem, j'ai besoin de ton avis aussi. C'est dégueulasse. Attends, mais attends. T'es vrai, pourrais nous faire du verre aussi? Bah, ça en va aller à Mars, plus. Hein? Oui, bien sûr. Ouais, vas-y, je te fais ça. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, regarde au mur. Tu les vois pas, ils sont devant moi. Oh putain! Ah! Ah oui, merde, pardon, bonjour. Oh putain! Ah oui! Je me casse. C'est pas bien de décrire ton métier comme ça, Tommy. Mais t'es du métier, tu connais bien, toi. D'accord! Eh ben ça va, il a pas chômé le Clem. Attends, là je vais remplir la deuxième ligne. Ça aurait été marrant. Il est temps de faire un petit moment ASMR. Il a mis des miettes dans mon oreille. Je suis sûr qu'on peut lire, la joie sur ton visage quand tu fais ça. Oui, regarde, je vois le live là. Hop là, c'est parti, rigole. J'ai pas la vidéo ouverte. Moi je trouve ça sympa quand même. En vrai, ça va, ouais. Oh hein. En vrai, ça va.
Je t'avoue, je m'attendais à pire, mais ça rend quand même bien. Oh le bâtard. Bah au début j'avais peur, je dis attends, elle est vide de couleur, est-ce que ça va bien rendre et tout, mais ça va, ça rend bien. Tu dis ça pour lui faire plaisir. Chut. Le chèque, le chèque, Clément, le chèque. Arrête ou je vous assassine à l'ASMR. Bon, je volais de la cobble à Az, tant qu'il regarde pas. Ouais, non. Non. J'ai attendu, j'ai pensé beaucoup, mais si je... Non. Tadam ! Eh les gens, est-ce que vous trouvez pas que c'est trop stylé ce que je viens de faire en une demi-seconde ? Est-ce que vous trouvez pas que c'est trop stylé ce que je viens de faire ? Dites-vous de putain ! Dites-le putain ! C'est cool. T'en penses quoi, Tommy, en vrai ? Objectivement. Oh merde. Alors, sans objectivement. Oh, enculé ! Alors... Voilà, vous pouvez voter ici. T'as mis un Astropole ? T'as mis ouais. Quoi ? Attends, t'as mis quoi dans ton vote ? Moi, j'ai mis, c'est bon ou pas ? Je votais pour moi, je mets oui. Votez. Votez les gens, dites-moi un peu là. Moi non, alors, en fait, je modifie, ils ont dit oui, mais améliore-le. Voilà, c'est ça en fait, le Astropole. Ah, clin d'œil. Clin d'œil, clin d'œil. Je vais repartir. On peut faire les deux, hein. Je vais repartir sur ce que je pensais au départ. Parce qu'au départ, tu vois, je décollais un petit peu avec, une ligne comme ça. Une ligne comme ça, là en place, petite vitre comme ceci, puis là on met, alors que des, on joue avec ah des... Ah oui non, comme ça c'est bien. On joue avec des rectangles, tu vois, qui prennent de la hauteur, hop. Qu'est-ce que t'en penses de ce que tu as fait? Bah, faut que je mette... Tu aimes ce que tu as fait, Raphaël? Luminosité déjà. Il y a beaucoup de lumière, c'est ça, ouais. On veut de la lumière, la maison moderne, souvent c'est quand même bien éclairé, et en même temps il y a ce côté un peu contemporain, quoi. Maintenant, des couleurs. Et là, en fait, l'idée... Alors, je t'explique un peu mon idée. Vas-y. Attends, je t'explique. Attends, laisse-moi. Et tu vois, ouais, petit truc... Alors, en vrai, je voyais pas de vitres là-dessus, mais je voyais plutôt directement des blocs, en fait. Pas forcément des fenêtres, ici, mais... Mais en même temps, il faut de la lumière. Non, il faut de la lumière. Donc là, l'idée, bon, noir, bleu, rouge, noir, bleu, rouge. Je vais essayer de mettre un peu aléatoirement du rouge. Je vais essayer de chercher du... Ah bah, ça me fait trop bizarre de faire un live en mode déco, quoi. Hein. Je vous jure, déco, build, ça me fait extrêmement bizarre. C'est tout nouveau pour moi. J'expérience quelque chose de tout nouveau. Et je me demande s'il n'y a pas trop de rouge ou... Oh non, quoique. J'ai essayé de proportionner à peu près. Ouais, non. C'est bien. Non, j'aime bien, ouais. Jean-Mich Déco. Ah, je suis content de ce que je fais, hein. Ouais, j'aime bien. Ça, j'hésite à le changer parce qu'effectivement, je trouve que ça jure totalement avec le truc du haut. Ou soit on change le truc du haut, quoi. Mais en fait, tu vois, entre ce qu'il y a en haut et ce qu'il y a en bas... Parce que autant c'est pas choquant de l'autre côté parce que les tubes, en fait, sont avancés. Ouais. Mais c'est beaucoup plus sobre. Et du coup, ça, ce côté-là, en fait, il est grave classe. Mais de l'autre côté, de l'autre côté, ça va pas du tout. Bonjour. Merde, j'ai tapé les centaures. Oh putain, oui, il m'attaque. J'ai tout tapé, mec. Oh. La ville entière me veut. T'as fait une maison de merde, tu vas brûler. Elle sera toujours meilleure que ma maison de Fly for Fluns saison 2. Voilà. Saison 1, saison 2, je sais plus. Ah, à l'époque, il y avait du Tetris aussi, hein. Mais alors, par contre, c'était la maison qui était un Tetris. Allez, on refait. On va refaire le même thème qu'il y a là-bas. Il vaut mieux rester cohérent sur le thème. Pourquoi ? Parce que les couleurs bleu, rouge, noir, comme ça, sont beaucoup plus sobres. Et au final, ça passe mieux quand même que arc-en-ciel sa mère. Ok, on recommence. Je réquitais pète depuis le bédu. Alors. Je sens qu'il y a eu un mindfuck dans la tête de Clem. Je la fais. Du rouge. Et du noir. Et voilà. Hop. Bon. Et bah, tu vois, ça colle beaucoup plus. Je trouve que j'aime tu vois, bien, ouais. Déjà je suis plus choqué par le truc et là franchement je suis pas choqué quoi. Préfère ouais. Et de 1 alors du coup qu'est-ce que tu en penses? Hein? De 2 là ici là, j'ai ouais, reculé ouais, de ouais, 2. Ouais ouais ouais, bah du coup ouais. Et genre t'as déjà une idée de où on va mettre l'escalier? Pas. Où ça sera un téléporteur ouais? Moi je pensais à des élévateurs ouais. Et de ouais, d'open block ouais. Ok. Plutôt élévateur, sera plus simple, plus propre en fait. On pourra faire des petits piédestals et hop, tu t'envoles. Alors après, à voir pour les salles comment on les fait, etc. On entend absolument. C'est vrai que ça fait tellement exposition, galerie d'art. Bonjour, sur votre droite, le rouge, revu par Monsieur Rouge.
Voilà, il a utilisé plus d'une centaine de variations de rouge pour donner ce résultat magnifique. Avec l'accent du sud, bien sûr. Toujours. Toujours. C'est très important. Il faut toujours. Un artiste qui n'a pas l'accent du sud, mais pas un artiste. Tu fais de la cuisine, tu fais de l'art, tu es chanteur, c'est pas grave. Tu as l'accent du sud. C'est normal. Si tu n'as pas l'accent du sud, tu n'es pas un vrai artiste. Moi, j'aime bien. Bon. Je te jure, j'en peux plus de faire ces vitres. Genre... Regarde, c'est la Mona Lisa. T'es malade au con, frère. Je l'ai trop senti, elle m'a regardé. Eh, hey, regarde. Elle m'a regardé moi et pas toi. Quand je me recourne, elle me regarde. Elle me regarde. Eh, hey, hey, elle me regarde aussi. T'es moi, ça me fait flipper. Ouais, disque dur, regarde, c'est monstrueux, quoi. Tout ce qu'il y a maintenant. Ah, là, t'as de quoi stocker plusieurs centaines de millions de... Alors, on va pouvoir vraiment être pas mal. Au niveau crafting, sur l'interface... Moi, j'ai rajouté tout ce que j'ai eu besoin de crafter depuis tout à l'heure. Ah ouais, alors toi, t'as fait pas mal de crafting. Ah mais c'est cool, t'as pu le faire aussi pour les procos, etc. Ah, nickel. Ouais, bah j'ai rajouté tout ce qui est composant de disque dur, ce qui fait que pour les disques durs, il suffit de les commander, ils arrivent tout ouais, seuls. Ça c'est cool. Mais c'est bien parce qu'on va pouvoir passer à la suite aussi, parce que j'ai beaucoup d'objectifs encore à accomplir. Clairement, on est tellement loin de tout ce qu'on a prévu. Mais yes. Ici, le setup mechanism qui est en train de se mettre en place... Ouais, je vais directement crafter le tier 4 comme ça, débarrasser de ça. Mais ça va être long du coup. Ça va pas jusqu'à à tier 5 normalement leur processing. Merci Sangari Sanfa pour le follow. Mais en fait, oui, ça fait tier 0, 1, 2, 3, 4. Du coup, ouais, c'est 1, 2, 3, 4. Ah, d'accord, oui, donc le 4ème sera le max. Ici, vas-y, revenez par ici, rentrez donc dans la demeure. Oui. La demeure. Regarde, là. Tu vois, les escaliers, ça fera moche. Et quand tu vas aller ici, c'est bas de plafond. C'est très bas. Et on arrive niveau terrasse. Bah après tu peux péter ça. Ah. Oui non. Tu peux pas péter ça. On enlève un quoi. Bah t'enlèves deux, ouais. Bon, il faudra réfléchir à la déco du haut, à la déco du bas, tout ça. Merci à tous les amis en tout cas d'avoir regardé eh bien, cette petite vidéo. Hein, bien entendu, n'hésitez pas, vous pouvez regarder la publicité sur Utip, hein, 30 secondes, etc. À chaque fois, ça soutient. Et donc, bien entendu, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, hein, bien entendu, les lives, vous pouvez repartager, etc. Le prochain objectif, je pense que ça va être de repartir un peu, se préparer pour l'espace. Il y a du tinker à faire, les monuments dotateurs. On a tellement d'objectifs que, de toute manière, je pense qu'on aura de quoi s'occuper. Alors, ciao à tous et à la prochaine, les amis. Ciao.